Objet nombre SCP-65. Catalyseur à organisme détruit. Classe Euclide. Procédure de confinement spécial. SCP-65 ne pouvant pas être déplacé, il a été confiné in situ et le site a été implanté autour de l'objet. Le site fut marqué comme une installation de recherche gouvernementale lors des limites civiles et les individus non autorisés tentant d'y avoir accès à la zone devront être retenus, interrogés et administrer un amnésique de classe A si jugé nécessaire par les agents de sécurité du site. Une zone de 17 mètres de rayon autour du centre de SCP-65 a été désignée en tant que zone rouge. Le personnel ne devra pénétrer la zone rouge à aucun moment et les expériences sur SCP-65 ne pourront être réalisées qu'avec approbation préalable des au moins deux membres du personnel senior de recherche de niveau 3. Le personnel à haut risque cancéreux ne doit pas être assigné au site et tout le personnel du site sera soumis à des évaluations physiques mensuelles obligatoires, incluant un dépistage de risque de cancer. Description: SCP-65 est une zone spatiale sphérique d'environ 12 mètres de rayon située sur une ferme près de supprimer. SCP-65 fut formé par la destruction d'un artefact anomalique in situ par la Coalition mondiale occulte le. À la suite immédiate cet événement initial, le rayon de SCP-65 fut estimé et s'être initialement étendu à un rayon de 108 mètres, entraînant le décès de 11 opérants de la CMO et de 5 civils. Depuis son confinement par la Fondation, le rayon des effets de SCP-65 a rétréci jusqu'à sa taille actuelle et s'y est stabilisé. SCP-65 provoque une transfiguration anormale de tout organisme vivant dans son aire des effets. Ces effets incluent les suivants, mais ne s'y limitent pas. Régression des cellules spécialisées à un état de souche indifférenciée. Séparation et fusion spontanée des cellules indifférenciées. Nécrose spontanée des tissus vivants et réanimation des tissus morts. Mutation génétique rapide des tissus vivants. Ces effets se produisent à un taux proportionnel à la masse et à la complexité de l'organisme. Les plantes et les insectes subiront peu voire aucun effet. Les petits animaux présenteront des altérations après plusieurs jours d'exposition. Les animaux plus massifs subiront des mutations néfastes en quelques heures et tous les sujets humains exposés aux effets de la zone rouge ont été fatalement altérés en environ 15 minutes d'exposition. À ce jour, toute tentative d'observation directe du centre de SCP-65 échoua, du fait que SCP-65 provoque une forme de confusion sensorielle extrême chez tout observateur, et s'étendant à l'équipement des enregistrements. Le personnel affecté a reporté une forte distorsion visuelle et auditive qui persiste pendant plusieurs heures et peut résulter en de sévères vertes d'indome 65-1, note d'un chercheur. Le, un engin robotique élaboré pour utiliser une navigation somatosensorielle plutôt que visuelle ou acoustique parvint à atteindre le centre de SCP-65 et à récupérer plusieurs objets. Une fois reconstitués et réunifiés, ces objets semblent être les fragments des éclats d'une figurine de pierre de Cocopelli, une divinité amérindienne de la fertilité. Dès après les données de pré-incident obtenues auprès de la Coalition mondiale occulte, il semblerait que cet artefact ait été utilisé par la famille civile pour accélérer leur culture agricole et qu'il en ait attiré l'attention de la CMO que lorsqu'une enquête par le département de l'agriculture des États-Unis révéla des marqueurs génétiques dans leurs plants caractérisant ceux de plants des organismes génétiquement modifiés OGM, la CMO une tentative de destruction de l'artefact in situ, résultant en la création de SCP-65. À la suite de cet incident, la CMO entra en contact avec une liaison de la Fondation et demanda assistance au confinement de l'anomalie résultante. Dr. Addendum 65-2, document associé. Le document suivant fut récupéré dans la maison de l'ancienne propriété civile fermière sur le site. John. J'ai entendu dire que les choses n'allaient pas si bien que ça à la maison.
Je regrette de ne pas pouvoir rentrer et vous aider dès maintenant, mais c'est aussi un peu rude par ici et on est sur le point de faire quelques découvertes importantes. Je sais que ce n'est pas grand-chose, mais j'y ai trouvé ça pendant le voyage. Et l'homme qui me l'a donné et l'a décrite comme une représentation de ce qui était, de ce qui pourrait être plante là au niveau du champ de maïs, et espérons qu'elle nous aidera à joindre les deux bouts. À bientôt.